porte aujourd'hui le maillot de l'ESSM. C'est parti, en blanc, le Portel, en vert, Nanterre. L'absence de Benjamin Sen et donc de Milan Barbic. Frank Jackson, de loin, il sait le faire et il marque ses premiers points en vert. Jack Nunge. C'est bien fait, Goldstone, il va aller au bout, il va aller au bout. Et danger, le temps mort est pris sur ses derniers shoots. Celui-ci était un bon tir. Contesté, l'interception, il y a eu du turnover côté nantérien et Frank Jackson peut conclure au dunk à deux mains juste avant le deuxième carton. Benjamin Sen, c'est pour égaliser, c'est fait et ils vont revenir à hauteur. Et il cherchait les meilleures dispositions possibles pour son partenaire. Allez, André Goldstone qui essaye de se rapprocher, il est bien tenu, pas assez par Benjamin Sen. Okay, ça s'est bien servi. Il y avait de la hauteur, il y a du monde dans le trafic, il est contré. Et il va y retourner, panier avec la faute. Très très belle mobilité ce Nunge. Jackson, pour éviter Konaté, il se fait de la place dans le trafic. N1 pour Frank Jackson. Public qui fait plaisir. Là au Konaté. La déviation à la passe et c'est contré au crédit de Caveur. Un tir au buzzer avec la planche. Pas sûr qu'il ait annoncé, c'est dommage parce qu'il y avait un premier contre, on va revoir. Un ballon qui lui arrive dans les mains. La courbe. Est-ce que va tenter Caveur de très très loin. Amad Caveur. Le Portel qui ne doit plus réfléchir. Il y a peut-être une dernière tentative. Yvan Février sur Paul Lacombe pour l'enfoncer. Il marque. Il marque à temps mort immédiatement pris. Joué. Benjamin Sen. Et pour trouver un panier. Peut-être le dernier panier du match pour les Nantériens et pour le match tout court. À moins que Paul Lacombe ne marque au buzzer. On restera sur une victoire 74-65